Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là j'ai une voix grave, j'ai une sale tête, j'ai les yeux gonflés. Je suis fatiguée, je viens de me réveiller. Mais j'ai eu une idée de vidéo, je me suis dit pourquoi pas investir dans un glow up. Parce que c'est vrai que depuis que je me suis séparée, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi parce que j'ai directement dû déménager. J'ai eu tellement de trucs à faire que j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi, d'aller me faire épiler, d'aller me faire les ongles. Enfin j'ai vraiment pas eu le temps de prendre soin de moi. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo où j'ai investi dans un glow up. Voilà c'est parti, let's go glow up quoi. Bref c'est parti pour la vidéo, je pense que la vidéo va être vraiment cool. C'est un peu une sorte de vlog. Mais pas trop, enfin bref, tu verras. Comme d'hab, n'oublie pas de liker pour m'encourager. Dis-moi tout en commentaire, raconte-moi ta vie, dis-moi ce que tu penses du résultat. Tout ce que tu veux me raconter, tu me racontes. Et les voitures d'or, ça me vénère. Comme d'hab, je réponds au maximum. Abonne-toi à ma chaîne, mais la plus grave, je n'ai rien loupé. Et c'est parti pour la vidéo. Putain, je suis essoufflée. Les escaliers, ça m'a essoufflée. Je crois que j'ai 40 ans. Hello mes amours. Aujourd'hui, comme d'hab, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le jour 1 du glow up d'après rupture. J'ai essoufflé, désolée, j'allais monter dans les escaliers là. J'ai Là vous voyez que je suis plutôt éclatée au sol. Du coup j'ai mis un pantalon parce que là je suis poilue de partout. Là c'est le jour 1 donc là je suis un peu en mode voilà quoi. Je suis un peu la vas-y lui. Mais à la fin de cette vidéo je suis censée être incroyable. Mademoiselle mon acolyte, pouvez-vous venir Je peux. Elle a copié mon maquillage. Ouais. Y'a pas à faire des trucs comme ça. Pourquoi tu copies? Mais t'es influenceuse. C'est okay. Du métier. Mon acolyte Valou, on va entamer le jour 1 du globe après rupture. Valou tu viens de rompre? Non du tout. Pourquoi tu mens? Non, elle la meuf qui lui invente des histoires. Alors on passe à la première étape du globe. On passe par les mains. Parce que j'ai pas fait mes ongles depuis. Donc on va commencer par les mains. On va prendre le Uber, on y go. J'ai juré en vrai, pas le avant après faire tes ongles. Tu sais comment tu te comportes sans ongles, tu te comportes basique. Et tu sais quand tu te comportes quand t'as tes ongles. Le langage. Le langage. Les mains et tout, tu parles comme une italienne. Comme ça, c'est il y a un avant après. Je trouve que les ongles, je te jure, ça joue grave sur la confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va faire les ongles parce que là c'est la catastrophe, ma chérie. C'est parti. On y go. C'est parti madame. C'est parti. Ouais. Regardez comment elle bombe. Elles sont mes lunettes à son. On a un van juste pour nous. On est des stars. On est des stars ou pas? On est des stars. On est des stars en fait. Ouais. On n'a pas le temps. La meuf elle parle déjà comme si elle avait ses ongles. On n'a pas le temps. Moi j'ai envie de faire un truc comme ça, mais je sais que mes potes vont pas aimer. T'aimes bien Valou les trucs penchés comme ça? Non. T'aimes pas? Non. C'est ça? Ouais. Moi j'aime bien. Un truc vraiment genre comme ça, un peu en mode. T'aimes pas? Non. Putain j'hésite. Moi je veux du pas trop long. Pas trop long? Ouais. Moi je veux du long, je veux là, je suis comme ça, je te touche de là, tu vois. Ouais ou pas? Ouais ouais. Comme ça. Si quelqu'un t'en met dans la rue. Crrr, je le griffe. Et ça Valou t'aimes bien? Ouais ça oui. Oula le gros plan. Nous sommes arrivés. C'est parti. Parti. On s'est fait les ongles et franchement c'était trop drôle, on rigolait, il y avait plein de meufs, on parlait tout entre nous, c'était grave sympa. Et ça a pris je crois 1h30, 2h, hein. C'est quand même long. Hein. A few moments later. Elle a se raté là. Ouais. On vient de finir nos ongles. Attends, on vous montre. Ah oui. Montre. Attini. Ouh, petite French rose pétasse. On aime bien. C'est ça. Un peu ambiance Y2K. De toute façon, je vous mettrai l'inspiration que j'avais utilisée et au final, j'aime ça. Franchement, ça j'aime bien. T'aimes bien Valou quand même? Ouais. Juste celui-ci là. Ouais, je suis d'accord. Juste, il y en a un qui est un tout petit peu raté, mais ça choque pas. C'est beau. Une fois qu'on a fini de faire les ongles, on est rentré et franchement, j'arrêtais pas de bomber avec mes ongles. Mais le truc, c'est qu'on est resté genre grave longtemps. On a dû rester au moins plus de 2 heures. Donc tout était fermé et du coup, on reprend le globe demain. La tête que j'ai comme hier, pire qu'hier, j'ai vraiment une sale tête, c'est pas possible. Et là, t'as vu Valou, c'est glow up d'après rupture, mais là je glow down le lendemain. C'est grave quand même. Elle est cerne. On sera un lendemain de soirée alors qu'on est. On dirait. Je te jure. Hello mes amours, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 du glow up après rupture et là on a plein de trucs à faire. Il est actuellement 9h42 donc là j'ai commandé un Uber et on va faire les cheveux parce que du coup là j'ai les ongles, je suis comme ça, il y a la confiance en soi, tu vois, je parle comme ça, j'ai. Mais là, nouvelle wig et normalement je vais me faire blonde, ça fait longtemps que je voulais me faire blonde, j'ai jamais vraiment fait blonde, j'ai déjà fait carré un peu blanc bizarre, j'ai jamais fait vraiment du blond blond, enfin j'ai déjà fait vite fait, bref, je vous mettrai à l'écran. Mais là je veux un vrai truc blond, tu vois, là je veux vraiment glow up, changer de visage, nouvelle personne, nouvelle. Et là, avec mes cheveux et mes ongles, vous allez pas respirer, je vais être tout le temps comme ça. Bref, du coup c'est parti, on y go Valou? Yes. Bon là pour l'instant j'ai vraiment une dégaine basique, hein. Bon là j'ai mis des claquettes, j'ai changé, jean, crop top, tote bag et c'est tout, c'est parti. Let's go, tu penses que le blond ça va bien m'aller?
Ouais, je pense. Attends, je vais vous montrer. Je vais faire un truc comme ça. Tu vois, t'en penses quoi? Ça m'irait bien, tu penses? Ouais. Déjà, rien que les deux mèches là, sur le tweed, ça change tout. Après, même tu vois, même comme ça, c'est joli, mais c'est pas ce que je veux, tu vois. C'est vraiment basique. Ouais, c'est ça. En plus, c'est pour l'été. Là, on veut du blond. Bad bitch ou pas? Eh, hey, mais je vois vraiment rien sans mes lunettes. Javalou, mais c'est où? Alors, c'est juste là depuis tout à l'heure. On y go. Justement, en rentrant, j'ai testé une wig. Et première wig que j'essaye, même pas deuxième, troisième, je suis tombée love. Et je suis amoureuse. Suite, évidemment, vous me connaissez. J'étais en train de bomber et tout. Mais vraiment, cette couleur-là, j'ai directement kiffé. On m'a proposé d'en tester d'autres. Mais celle-ci, non. Non, j'ai trop kiffé. Préférez laquelle, la première ou celle-ci? Ensuite, une fois que j'étais bien sûre de moi, bien sûre de mon choix, que je me suis bien regardée, que j'ai bien bombé, et ben on a dû tresser mes cheveux, de toute façon vous allez voir à l'écran. Et en vrai de vrai, j'ai souffert, c'est la première, non pas la première fois de ma vie, quand j'étais petite, j'avais ma tata Fatma qui me tressait tout le temps les cheveux et tout, mais ça faisait des années que je ne l'avais pas fait, donc voilà, la coiffeuse me donnait des rajouts parce que j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux très bouclés, mais très fins aussi, du coup je devais lui donner des rajouts à chaque fois pour que ça tienne mieux, pour que ça agrippe mieux le cheveu, et ah non, franchement ça fait trop mal, genre c'est bien parce que tu vois les tresses ça plaque bien les cheveux, et même c'est joli, mais non franchement j'ai trop souffert. Si vous avez déjà fait des tresses, dites-moi en commentaire si c'est juste moi qui suis grave une fragile ou si vous aussi vous avez mal, parce que je vous jure là je souris, je rigole, je fais la belle avec la caméra, mais non vraiment j'avais mal. Par contre la coiffeuse elle l'a super bien fait, elles sont super régulières ces tresses, elles sont bien collées au crâne, non vraiment j'ai kiffé. En plus là vous pouvez voir que derrière elle est en train de faire de la couture, enfin c'est pas de la couture mais en fait elle est en train de bien attacher mes cheveux entre eux pour que la perruque soit bien plaquée. Ensuite elle plaque mes petits cheveux, mes petits baby hair, ils m'ont proposé de laisser mes baby hair mais je préfère sans, enfin pour cette fois. Ensuite elle met le bonnet à perruque qui est à peu près la même couleur de mon crâne pour que ça fasse très très naturel avec la perruque. Donc voilà, c'est assez compliqué, il faut bien l'adapter au crâne. Ensuite il faut la coller. Voilà, c'est un peu relou, surtout que ça fait un peu mal au crâne, tu vois, les tresses. Mais ça fait super naturel, donc c'est vraiment important comme étape. Ça, je sais pas du tout le faire toute seule, parce que ça fait quand même un moment que je mets des perruques. Mais ça, ah non, je saurais pas du tout le faire, surtout que la coiffeuse l'a fait en genre 5 minutes, elle est trop forte. Ensuite, une fois que le bonnet est bien collé, on coupe la tulle du bonnet. En vrai, j'essaie de faire la meuf qui connaît du vocabulaire. Je connais pas ton vocabulaire, t'as capté. Mais bref, tu vois à l'écran, on découpe, on essaie de faire un truc bien naturel. On met de la colle. L'étape de la colle était assez longue parce que on repasse plusieurs fois de la colle pour que ça tienne bien, pour que ça tienne plusieurs jours. Bon, en attendant, j'étais en FaceTime avec ma pote. Et ensuite, voilà, on glisse la perruque et c'est vraiment, vraiment compliqué parce que faut bien la placer, faut bien la coller, donc ça prend un peu de temps mais le résultat est juste fou. Genre déjà à ce moment là je me regardais, la regardais dans mes yeux, je suis tombée amoureuse de moi-même carrément. Ah non vraiment j'ai trop kiffé, mais c'est vraiment un travail minutieux, faut bien couper les bons endroits et tout, et ça fait très 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 naturel. Genre carrément il y a des gens qui croient que c'était mes vrais cheveux. Bon, vraiment plusieurs étapes, et encore je vous montre pas tout, mais je crois que j'ai dû rester 2 heures. Ouais, j'ai dû rester 2 heures parce qu'en fait il faut le temps de matcher la tulle de la perruque à ma vraie peau pour que ça fasse très naturel. Il faut bien tout plaquer, voilà. En plus la perruque elle était déjà lissée avant, mais il faut relisser sur mon crâne pour que ça fasse vraiment vraiment lisse. Mais vraiment cette couleur là pour le coup je trouve qu'elle tue sa race. À deux doigts de me faire cette vraie couleur sur mes cheveux, mais j'ai peur d'abîmer mes boucles. Ouais, mais regardez comment je me sens trop fraîche. Hé, calme-toi Maya, calme-toi. Comme d'hab, encore un extrait de moi en train de bomber. Mais j'ai juré, il y a grave une vibe à la Georgia Smith, non? En tout cas, j'ai kiffé la wig. Ouais, calme-toi, cousine, calme-toi. Retour à la maison pour la suite du glow-up. Mais là, franchement, j'ai glow-up un peu là. J'ai tout en le bello. Regardez-moi ces cheveux. Je suis stressée là. Incroyable. Aïe, 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 madame a son semestre. Ouais, normalement, ouais, normalement. Ouais. Là, je suis sucrée là. Et ça tue la couleur. Ok, du coup, là, je suis de retour. Et là, je me sens déjà fraîche. Là, carrément, je suis sortie. J'avais la tête haute. J'étais comme ça. Même pas besoin de maquillage, besoin de rien. Là, je me trouve déjà incroyable. J'aime trop cette couleur, vraiment. Avec les ongles et tout. Bref, je kiffe. Mais bah hier, une fois que j'ai fait mes ongles, on est parti avec Valou acheter du maquillage. Parce que du coup, je me suis dit, pour faire une transformation complète, est-ce que je vais voir une maquilleuse ou est-ce que je me rachète du maquillage et je me fais mon propre maquillage? Je me suis dit, c'est quoi, j'ai déjà été voir plein de maquilleuses. C'est vrai que des fois, on m'a bien maquillée, mais il y a d'autres fois où j'ai eu des mauvaises surprises. Et là, j'ai vraiment fait un vrai glow-up. Tu vois, à la fin, j'ai envie d'être vraiment contente, j'ai envie d'être dégoûtée. Donc, ce que j'ai fait au lieu d'aller voir une maquilleuse, c'est que j'ai refait ma boîte de maquillage entièrement. J'en ai eu pour beaucoup d'argent, vraiment. J'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté 3 gloss, j'ai acheté tous les gloss que j'ai trouvé, des crayons. J'en ai eu pour cher, j'ai voulu provoquer la table d'en face. Tu vois, j'ai voulu provoquer la table de maquillage d'en face, t'as capté ou pas?
putain, j'ai plus de gloss. Je ne peux pas vivre sans gloss, vous me connaissez. Donc je vais prendre. C'est un transparent ça? Il est brillant. Hein. Bah, je pense que c'est brillant. Comme un gloss quoi. Mais le mien il est pas comme ça. Ah ouais? Ouais. La lumière est trop belle. Regardez comment elle est belle. Non lo sé. Oh. Non lo sé. Pardon. Non lo sé. Pardon putain. Putain vraiment. Pardon. Bon, c'est bon, j'ai un peu trop ralasse, mais c'est bon. Un Valou, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Voilà, c'est parti, on va se make-upper. Je sais pas, en fait, vu que j'aime bien la dégaine un peu naturelle et tout, j'ai pas envie de faire un truc de ouf, tu vois. Première chose, parce que, hé, hey, je peux pas vivre sans. Ah! Je l'ai mis à l'envers. Wow. J'allais me casser les dents. Go te l'incruster à vie. On va faire, avant toute chose, des masques. Alors, Valou, elle a pris masque visage ananas. Elle, c'est pour les pores. Ouais. Parce que là, elles sont ouvertes. C'est pour lisser les pores. Et moi, c'est pour repulper. Parce que souvent, là, je suis grave creusée. Enfin, grave. Non, mais je suis un peu creusée. Donc, putain, c'est toujours. Il y a trop de liquide. Ils ont pas rigolé là. C'est ce que je dis quand je vous en portefeuille. Oh, tu es totalement. Elle veut se faire raqueter. Je sors pas avec. Ça reste à la maison. Ah, ok. Elle wow. C'est froid, wesh. Appelle-moi quand t'as les yamis. Par contre, et moi. Ok, du coup, avant de commencer à me make-upper, là, je vais mettre le masque. Il est étouffant. Je sais pas comment dire, j'aime pas, mais en tout cas, il fait grave du bien à la peau, tu vois, quand je touche. Tu mets de la crème par-dessus après ou pas? Moi, ouais, je vais en mettre. Voilà, Valou. Ça y est, il comprend. Avant de commencer à maquiller, je vais faire un mini haul de ce que j'ai acheté hier. J'ai acheté le spray fixateur que j'utilise d'habitude, il est pas cher. C'est pour ça que je le prends de base, mais franchement je trouve qu'il est cool. Donc c'est le Sephora Amplifier. J'ai pris celle que... Alors moi d'habitude je suis plus partisane des poudres pas chères, celle que je vous mettrai, celle que j'achète d'habitude et que j'utilise aussi. Mais pour le teint, je trouve que celle-ci elle fait un super beau teint. Donc j'ai pris celle-là, un peu chère, tu as capté, mais bon. Je trouvais que la couleur était trop belle, donc j'ai pris un bronzer Fenty en poudre. Eyeliner, crayon pour les lèvres, il est incroyable, il ressemble à celui de Valou et je kiffe celui de Valou. J'ai pris 3 gloss, donc j'en ai pris un tout simple Sephora, j'en ai pris un avec des paillettes Sephora. Et j'ai pris le Lip Injection Maxime Plum, donc c'est vraiment le dernier, le plus plum, parce qu'il y en avait plusieurs. À ce type il marche pas, je suis dégoûtée, mais on va tester, je prie. Ah ouais, moi dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé, en tout cas moi je vais vous dire, je vais tester. Ensuite, petit make-up, bon c'est une vidéo glow up, au début je me suis dit vas-y je vais faire un make-up extravaganza, tout ça tout ça. Mais avec la wig j'aimais bien le côté naturel, bon vous verrez que le maquillage n'est pas naturel, vous me connaissez, on aime toujours un peu l'extravaganza. Mais je voulais pas faire trop, mais je sais que quand vous allez voir le résultat, vous allez me dire ouais arrête de dire que tu veux pas faire trop alors que tu es maquillée comme jamais, ouais et alors. Bref, on dirait vraiment une crazy quand je parle, bon en tout cas petite vidéo de moi qui met make-up en accéléré. Aïe aïe aïe. Non, franchement, j'ai bien fait de racheter mon maquillage. J'ai pu tester des nouveaux trucs. Et je kiffe grave. Bon, en vrai, c'est vraiment juste moi qui me maquille en accéléré. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous voulez que je fasse un freestyle? Je vous chante une musique? Je sais pas. Ouais, Annie. RM75, j'ai reconnu la plaque. Je m'écrase, je me tais, j'ai mon joint, j'ai ma tête. Attendez, attendez. De base, bon, j'ai acheté le bronzer Fenty. Je me dis, bon, il est cher et tout. D'habitude, je prends vraiment des bronzers pas chers. Mais il est incroyable. Il casse la baraque, vraiment. Après, je sais pas si c'est pour toutes les couleurs comme ça. Bon, là, je peux finir de me maquiller. Mais si vous avez une teinte similaire à moi, j'ai pris le Coconutty. Il est vraiment, vraiment bien. Validé. Merci Rihanna pour les travaux. Merci, c'est à vous pour les travaux. À chaque fois, je me demande pourquoi je prends autant de temps à maquiller. Je prends au moins une heure. Mais en fait, c'est parce que je passe ma vie à chanter quand je me maquille. Beaucoup de verre. Mais je suis pas là pour voir. Et tu veux venir parler à avec les grises. Ça fait du bien des fois d'être pas maquillée et tout. J'aime trop trop me maquiller. Genre c'est vraiment un temps que tu prends, t'écoutes de la musique, tu vibes, tu testes des nouveaux bails. Et je crois que c'est vraiment un des meilleurs moments. Je me rappelle à l'époque où j'étais au lycée, j'aimais trop me lever super tôt le matin et prendre le temps de me maquiller. Puis il y avait les meufs au lycée, mais t'es sérieuse, tu dois prendre au moins une heure à me maquiller. Ouais, mais ça me détend de ouf. En commentaire, si vous êtes comme moi, vous aimez bien prendre le temps quand vous êtes pas bien et tout, de vous préparer, de vous mettre en flic, de vous maquiller. Je trouve que ça fait grave réfléchir. Là je viens de finir mon make-up, bon, je me suis maquillée voilà, pour la vidéo, là c'était glow up, c'est make-up, tout ça. Mais je sais pas pourquoi je me préférais avant de me maquiller, genre je préférais sans make-up, bon c'est bien tu vois, mais j'aimais bien sans make-up. Maintenant que je suis maquillée, il faut qu'on trouve la tenue, et c'est le bazar derrière, bref. Faut que je trouve la tenue et j'ai reçu un colis Naked, cette semaine. Donc est-ce que je prends là-dedans, est-ce que, parce que j'ai reçu plein de nouveaux vêtements, j'ai reçu Naked, j'ai reçu JD London. Donc est-ce que je prends là-haut, est-ce que je vais acheter une tenue? Est-ce que j'abuse et je sors, je vais acheter une tenue? Je vais chercher, on va voir.
A few moments later. Là, je suis prête, je suis habillée, je suis maquillée, je suis pomponnée. Donc, j'ai pris des vêtements de ma commande Naked. Donc, j'ai mis ce haut-là. De toute façon, je vous montrerai après bien ma tenue. J'ai pris ce haut-là. Donc, c'est un haut bandeau avec mon jean Destroy. Et je vais mettre, je pense, des Air Force. Et franchement, il y a un avant, il y a un après, tu vois. Même dans ma façon d'être, dans ma façon de sentir, il y a un avant après cette vidéo, tu vois. Donc, là. Dernière étape, glow up c'est pas que physique, glow up c'est pas que les cheveux, c'est pas que les ongles, c'est pas que le maquillage, glow up c'est pas ça. Le glow up c'est aussi mental, donc on va sortir, on va aller boire un verre, on va rigoler etc. Et c'est parti. Birthday girl. Regarde comment elle fait, elle veut que montrer. Attends venez, elle montre un peu. Il y a un petit meuf, montre le mur du meuf avec ma petite gomaya. Je pense cette meuf. Voilà, elle se connaît. Gardez l'œil sur elle. Moi je parle hop. C'est des âmes sœurs, elles vont finir ensemble, t'es moi. Regardez leurs ongles. Voilà. Regardez leurs ongles. Wesh. Eh des âmes sœurs, mariez-vous maintenant. Comme d'hab, hey, je vous jure que je suis une mauvaise youtubeuse. J'ai oublié de filmer la fin de la vidéo. Et là je suis même pas fraîche, donc je peux même pas vous montrer ma tête là, carrément vous allez rigoler. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'oublie pas de liker, dis-moi dans les commentaires, raconte-moi ta vie, ce que t'as pensé de cette vidéo, ce que tu voudrais voir sur ma chaîne. Je réponds comme d'hab au maximum, abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper. Et voilà, en tout cas n'oubliez jamais une chose, si je devais finir là-dessus, c'est que voilà, ça m'a fait du bien de prendre soin de moi, de me faire les ongles, de m'épiler, de me faire maquiller, coiffer, ce que tu veux. Mais le glow up, c'est mental. Glow up, c'est quitter les gens qui sont nocifs dans ta vie, c'est faire ce qui te rend heureux. Vraiment, voilà, je vous souhaite de glow up et vous allez glow up. Quittez les gens là qui vous font du mal, vos potes, peu importe, et faites ce qui vous plaît dans la vie. En tout cas, moi, je suis grave derrière vous. On est ensemble et je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Mouah.